Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec donc Venise. En difficulté, il faut bien l'avouer, hein, depuis quelques temps. Elle reste numéro 1 ou 2 peut-être. Mais il n'empêche que elle a perdu pas mal de guerres. Une guerre contre la coalition, une guerre contre la France. Et je ne sais pas trop ce que ça va donner, comment se débarrasser de ce bloc franco-autrichien là. C'est très très compliqué. Je vois pas trop de solutions, hein. Il va vraiment falloir grossir de façon considérable pour réussir à les contrer. L'alliance, la trêve a expiré avec la France, donc bon, je pense pas qu'il me redéclare la guerre comme ça direct derrière, mais. Bretagne, Est, Thuringe, voilà, tout ça. C'est normal. Alors, une coalition contre moi, là, ça m'étonne. Alors que les autres en sont sortis. Alors, il reste Gênes. Mantoue. Ouais, malheureusement. Toutes ces nations, je vais pas pouvoir en faire grand chose. Et ma souris se remet à déconner, donc ça m'énerve, surtout qu'on est au début de l'épisode. Donc il va falloir que je me fasse tout l'épisode comme ça. Moins 7. Ah, la Suisse. Bon, de toute façon, il va falloir essayer de finir cette guerre contre les Quillois le plus vite possible, évidemment. En fait, il faut que j'arrive à me faire cette armée. Et dès que j'aurai pris le fort, là, je pense qu'on va se diriger vers ça assez facilement. Il faut que je surveille l'armée. Ouais, c'est bon, il n'y a que 1000 hommes. Ouais, malheureusement, je peux pas quitter parce que là, on est sur un fort. Alors. Là, je suis un peu dans l'impasse. Il faut que j'arrive à prendre cette province. Ok, donc ça, c'est pas trop grave. Voilà. Et sans cette province, pour l'instant, je ne peux pas bouger. Ce que je peux faire déjà, quand même, c'est attaquer les 4000 hommes qui sont là. Ah mais non, faut que je passe par là. Alors ça, on s'en fout. Ah, j'ai pas de chance, hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'essaye de le prendre. Donc ça, c'est pas grave. Combien j'ai de troupes de déficit là, 21 000 quand même. Bon, je commence à en avoir un petit peu marre, ils sont à 56. Ah voilà. Donc là je vais pouvoir attaquer. Ah ça c'est bête parce que j'ai pas de troupes dans les pérages, donc ça veut dire qu'ils vont devoir s'en sortir tout seuls. J'espère qu'ils vont y arriver. Allez, c'est parti là. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive ensemble. Ceux-là vont attendre 3 jours, voilà. Et ça devrait bien se passer. On n'a pas l'avantage du terrain, malheureusement. Alors, ça, je vais continuer. On est qu'à 94. Là, j'ai l'impression qu'on va perdre. En tout cas, ça va être chaud. Putain. C'est pas gagné avec de telles armées.
On a réussi à perdre contre une nation africaine. Avec le désavantage du terrain, certes. Et j'avais peut-être pas mis de leader, il me semblait que si. Voilà, bon là c'est moi qui ai fait une boulette peut-être. Ah non, j'avais un leader. Ah, il est mort, c'était le Doge. Donc en fait j'ai dû faire la fin de la bataille sans leader. Ce qui expliquerait pourquoi ça a été aussi dur. Alors je fais des mercenaires. Ah, je peux pas, je suis trop loin. Je vais prendre cela. C'était pas prévu, ça va prendre plus de temps. Je pense que c'est nécessaire. Je vais me mettre là, je vais faire le siège. Ce qui est bien, c'est qu'il est sur un siège et que ça va lui prendre du temps. Alors que moi, je suis sur des sièges qui sont beaucoup plus rapides. Et si j'arrive à prendre tête, je peux lui demander la paix. J'en ai pas besoin de plus. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Je pense que ça me suffirait en fait. J'ai j'ai 2 provinces d'or, 3 provinces de. 4 provinces d'ivoire. On va voir s'il accepte ça. Voilà. S'il accepte ça, ça me suffit. Il accepte sans souci. Un peu d'argent. Ça me va. J'ai pas besoin de plus. Ce que j'aimerais, c'est dominer le commerce de l'ivoire. Ok, donc finalement là je vais rester sur place. Je sais pas si mon navire est déjà. Ah, putain, il est déjà loin. Allez, ça va vite. Je vais partir sur une guerre contre les Cherokees peut-être un peu plus tard. Je vais attendre un peu. D'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser ma maintenance, bien sûr. Peut-être pas à zéro. Je suis à 113 de bénéfices hein, quand je mets ma maintenance vraiment au plus bas. Ça, c'est mes mercenaires. Ça, normalement, c'est l'armée, tout ce qu'il y a de plus régulière. Combien d'hommes de déficit? 29 000 hommes de déficit, putain. Ça fait beaucoup. Ceci dit, je sais pas où je les ai, mes 29 000 hommes de déficit. Ouais, de déficit. C'est certainement pas là. C'est principalement là, en fait. Hein. Sur les 40 000, j'en ai 16 000 seulement. Alors, je fais combien? 1100 par mois. C'est pas énorme pour l'instant. J'essaie d'améliorer ça au fur et à mesure, mais... L'ennui, c'est que là, j'ai plus de points... Ah voilà, la coalition qui commence à diminuer. Un théologien fait son apparition. Le problème de ce théologien, c'est qu'il est plus 2 seulement. Ça m'intéresse absolument pas, moi je veux des plus 3 maintenant. Donc je vais prendre le prestige, tant pis. C'est un peu dommage, mais un plus 2 ne m'intéresse absolument pas. Hein. Là, j'ai pas que des mercenaires, visiblement. J'ai aussi des troupes régulières. Je vais me regrouper dans un endroit où j'aurai pas d'attrition, ce serait mieux. Je vais enlever mes forts. Alors, je suis comment là? Limite de navire, je suis bien. Limite de troupes, je suis pas tout à fait bien. Mais bon, pour l'instant, ça restera comme ça. La science, c'est dans 4 ans. Donc je pense que j'aurai le temps de faire des points. Je vais passer en vitesse rapide. Et je vais laisser un peu les choses passer là. Laisser les pays sortir de la coalition.
Je vais intégrer Milan maintenant. Du coup, ça veut dire que je vais encore faire moins de points. Ça va me coûter 6 points là parce qu'ils sont catholiques. Ce que je voulais voir, c'était. Oula, ça va être chaud. J'espère qu'ils vont y arriver tout seuls là. Ah oui, je pense. Parce que ce qui m'intéressait en fait, moi, c'est. Oui, c'est un peu trop tôt pour voir si j'ai gagné des places en ivoire là. Il faut attendre que j'ai légitimé les provinces. C'est trop tôt pour le dire là. Ok, donc là je vais m'offrir quelques années de vacances entre guillemets. Ou alors ce que je peux faire c'est la guerre. Ah non, mais ils sont un peu chiants de me demander ça là. On était super potes. Ceci dit, ça a pas l'air de trop les vexer quand on dit non. Mais je les trouve quand même un peu osés de demander ça. Quand je vois comment ils nous ont aidés à la dernière guerre, ils ont été tout ce qu'il y a de plus minable. Ils ont fait n'importe quoi. Donc je les trouve un peu chaud là de me demander ça comme ça. Ah, j'ai un problème de souris, hein. C'est une catastrophe. Je sais pas ce qu'elle a, ça fait deux fois en deux jours là. Elle ne bouge plus, elle fait la grève. Ok, c'est bon. Bon, eux ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça m'intéresse pas trop. Ouais, je vais taxer mes colonies, y a pas de souci. Les conversions c'est long, avec un seul missionnaire, ça prend quand même énormément de temps. Ok, je vais. Me préparer à ma guerre contre les Indiens. Je pense que je peux quand même la mener sans trop de risques. C'est des mercenaires, donc il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser. Je vais faire juste une petite pause et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je reprends l'épisode pour une dizaine de minutes. J'ai été interrompu. Alors. La diplomatie, c'est bon. Je suis en train d'améliorer mes relations avec la Hongrie. Il faudrait que je fasse une revendication de plus sur les Mamelouks, là. Ce sera sur la province de Antakya, c'est ça? Quelque chose comme ça. Antakya, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cette armée régulière par une armée de mercenaires. Mais il va falloir que je me trouve assez de troupes. Ça, c'est une armée régulière. Ma flotte, normalement, doit être sur le retour. Pas vraiment, d'ailleurs. Du coup, je vais l'envoyer là, hein, finalement. Vraiment finir par y aller. Là, je vais faire la guerre aux Cherokees. Ils n'ont pas d'alliés, ils n'ont rien du tout. Le but c'est d'avoir 10 territoires dans cette zone d'Amérique du Nord là. Ah, c'est pas ça que je cherche. Voilà, d'Amérique de l'Est. J'ai pour l'instant 3 territoires de lancer ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, alors il faut vraiment que je conquère carrément quasiment la totalité, donc ça va peut-être être un peu dur dans un premier temps d'y arriver en une seule fois, mais on verra ce qui peut être fait. Je pense que je vais pouvoir y aller assez rapidement. J'ai mis ma maintenance, je vais
peut-être attendre un mois de plus pour être vraiment au maximum. Voilà. Je me méfie de la France qui... on a fini notre trêve avec eux, donc je m'en méfie un petit peu. Pour l'instant, je peux pas y faire grand-chose. Mais en tout cas, je vais commencer... Je vais éviter de me battre avec mes troupes régulières maintenant. Pour faire remonter... Ah, Pensacola est fini. Donc je vais continuer ici. Il est où mon... Il est où mon colon là? Ah, il est peut-être ici. Ah non, mais en fait, il est libre, je suis con moi. Je vais continuer sur le Canada. Il faut que j'avance, il me faut 10 colonies aussi dans cette zone. Et ça, ça va être un peu plus dur parce que je sais pas si je pourrais faire vraiment beaucoup de guerre. Ouais, on verra. Mais ce sera peut-être un peu plus dur. Allez, là, c'est parti. Prendre Tuskegee, j'appelle pas mes alliés évidemment. Ce que je vais faire, d'abord il me faut un leader. Je vais enlever un peu de troupes ici pour être un peu plus rapide. Ok, je vais diminuer la vitesse, j'aime vraiment pas me battre dans ces conditions. Eh merde, 10 de prestige en moins. Décidément, j'ai du mal à remonter au-dessus du zéro. Hein. Ah, ça c'est une bonne chose. Est-ce que on va pas avoir une alliance possible avec eux, alliés à un rival? Bohème. Bah non, je suis pas allié avec un seul des... Ah non, mais ils sont alliés, c'est eux qui sont alliés à un rival. Ouais, la Grande-Bretagne, je pense. Je vais enlever la Grande-Bretagne de... Ah, je peux pas, je suis en guerre. Bon, je vais attendre. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose à faire assez rapidement. Oh, j'espère arriver à temps. Pour les aider. Ouais, c'est bon. Je vais tout de suite aller à leur capitale. Je pense que mes alliés vont m'aider là de manière assez efficace. Et mon navire est toujours pas là. Là, on va prendre la capitale. Est-ce que je pourrais pas aller attaquer ces troupes? Ouais. Voilà, qui va simplifier la guerre. Ah merde, je pensais les avoir honnêtement. Alors je sais pas où ils vont aller, mais bah, je vais essayer de les poursuivre. On va aller par là. Bon, je fais beaucoup trop d'argent là, ça m'énerve un peu. Je vais faire des troupes. Ouais, je pourrais même faire une colonie de plus honnêtement. Ouais, je vais faire une colonie de plus dorénavant. Alors, faut que j'attende que mon colon soit arrivé. Mon navire est toujours pas là. Donc là, je vais me faire ces troupes pour la troisième fois. Maintenant, je vais me diviser. Et je vais occuper de manière un peu plus efficace. Ok. Elle en est où ma flotte là? Je commence à en avoir marre de l'attendre. Elle avance pas. Ah, la Savoie évidemment a rejoint la coalition. On leur a fait la guerre assez souvent, il faut bien le dire. Et jamais avec beaucoup de succès. Pour l'instant. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ok. Ah, je pense qu'on va très vite être au résultat escompté. Ah, ça, je vais essayer de m'en occuper.
Parfait. Une conversion en plus. Bon, faut pas que je fasse l'épisode très long. Puisqu'il y a déjà une première partie. Donc là, je pense qu'il va pas tarder à arriver. Assez long hein, de retourner en Europe. Hein. C'est vraiment pas chose facile. Voilà, donc on est à 100%, ça aurait été rapide. Ah, j'ai pas de diplomate, faut que j'attende 13 jours. Allez, sérieux, voilà. Alors, c'est parti, on va discuter. Le but, c'est vraiment de prendre... Ce qui serait bien, c'est d'avoir 7 provinces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, ceci dit, hein... je dois pouvoir les annexer quand même. Voilà. Ça me vaut pas mal de surexpansion. Ça me vaut pas trop de pénalités d'expansion agressive parce qu'il y a un peu personne autour. Ça me coûte rien en points diplomatiques. Je vais tout prendre. Ah, par contre, le truc le plus important aussi... Ah, ils ont pas d'argent. C'est pas grave. Voilà, très bien. Par contre, ça va me coûter un peu cher, évidemment, à intégrer tout ça. Bon, c'est pas des provinces qui coûtent super cher. C'est pour ça que je peux me permettre de le faire. Donc ça, ça va là. Ça, ça va là. Donc là, je vais très vite avoir une nouvelle nation. Juste le temps de légitimer tout ça. Ici, il faudrait que... Du coup, il faudrait que j'envoie des troupes, mais... Ça va être compliqué. Il faudrait que j'amène des renforts. Pour ça, il me faudrait des navires. Ça, ça va rentrer là. Donc là déjà je vais faire un artillerie en plus. Je suis comment question navire, j'aurais vraiment besoin de navire, je suis à ma limite mais... J'ai envie de faire une deuxième flotte de transporteurs en plus. Parce que là je souffre, hein. J'ai sans arrêt des trucs à faire et j'y arrive pas. Ou au moins peut-être faire une... faire 10 navires. 10 navires pour l'instant ça suffira. Ok, c'est bon. Alors mes sciences c'est dans 2 ans. Je serai certainement pas prêt, question point. Surtout au militaire d'ailleurs. Je peux baisser ma maintenance militaire. Sans de bénéfices, voilà, là c'est bien. Ok, donc j'ai fini de légitimer les territoires hein, chez les Kilois. c'est où? C'est là. Encore un. Donc celui-là, il est... on voit pas très bien la limite, mais il n'est pas tout à fait prêt. Le 23 avril, hein, dans un mois. Je vais repasser en vitesse maximum. Trêve est fini avec la Bohème, peu importe. Ok. Bon. Oh là, j'ai eu un joli plantage. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, ça n'a pas trop planté. C'est juste un retour sur Windows. C'est pas un souci. Je vous laisse. C'est l'occasion d'arrêter. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.